Cette prochaine méditation est un extrait du live « Dans le flow » avec François. On prend une bonne inspiration et à l'expiration, on laisse aller toutes les tensions, tout ce qui n'est pas nécessaire. Dans les premières respirations, l'expiration se fait par la bouche. On inspire. On expire. Et l'expiration, c'est comme une soupape, c'est comme un drain. On laisse aller tout ce qui est plus nécessaire. Méditation, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. On n'a pas besoin d'aller dans un centre à l'autre bout du monde, de faire des voyages initiatiques, de voir un chaman, de tenir nos doigts d'une certaine façon, de mettre de l'encens ou de voir une photo d'un dieu ou d'une déesse. Le Dieu ou la déesse, c'est toi. Il suffit simplement d'être patient, calme et observer en toi. La méditation, c'est pas de ne pas avoir de pensée non plus. C'est une fausse croyance. La méditation, c'est apprendre à te déposer. À permettre à ton corps, tes muscles, ta tête, ton cerveau, ton système nerveux, de se déposer. De rien à chercher. De rien à contrôler, même pas ta respiration. De même pas à contrôler, à respirer par les poumons, par la cage thoracique, par le ventre. Pour l'instant, rien de tout ça. Juste observe, sans jugement, très important. Observe peut-être le flot de tes pensées en les accueillant. Observe peut-être les bouffées de chaleur, les sons que tu peux entendre, les tensions dans ton corps, les picotements, peu importe, fais juste observer en pleine présence ce qui est.
t'aider à apaiser ton esprit, tu peux induire à l'expiration sous un langage doux, hypnotique, un ordre, une intention, le mot calme, à l'intérieur de toi, de cette façon. Fais juste observer ton attention, tes pensées, ta conscience, peut-être l'agitation de tes yeux. Sans jugement. Voici ce que je fais comme expérience présentement. La performance et la méditation ne font pas bon ménage. L'éveil spirituel et la performance ne font pas bon ménage. C'est impossible. Pour s'éveiller spirituellement, pour changer d'état, faut tout simplement observer ce qui est. Que ce soit agitation, tension, picotement, qu'il y ait des pensées qui viennent nous hanter, que ce soit un calme profond. Juste observer et laisser la nature faire son œuvre. Plus vous observez avec patience, calme, plus votre esprit se dépose. Votre système nerveux se relâche. Plus la mémoire tampon reprend sa place, la désaturation s'effectue. Rien à faire. Juste bien rien faire. Il reste 2 minutes. Je te demande pour les 2 dernières minutes qui restent d'avoir la ferme intention, on appelle ça aditana, d'être totalement immobile. Tout simplement d'observer. Totalement immobile. Relâche les tensions dans ton corps qui ne sont pas nécessaires. Dis à ton corps, ton âme, ton esprit, je te vois. Je me vois. À partir de maintenant, je vais apprendre à me mettre en phase avec la vie, en harmonie avec ce qui est, à danser avec la vie. Cultiver ce chemin de reconnexion. Ce chemin de libération, de complétude.
afin de recontacter avec ma nature véritable, profonde. Là où est-ce que je suis complet, complète. À partir de maintenant, je sais que je peux revenir quand je veux dans cet axe. C'est pas nécessaire de faire des méditations d'une heure, d'une demi-heure. Je suis capable de faire 2 minutes quand il faut. L'important, pour l'instant, c'est de développer le réflexe de dire « je dois venir me recentrer, me réaligner, relâcher. » Me mettre disponible à une régénération. Me remettre en phase avec la vie. Et tout doucement prendre une bonne inspiration et on revient ici dans l'instant présent.